Mon système diversifié me permet de faire face aux aléas. C'est-à-dire que si j'ai un problème, un accident sur une culture, j'ai encore 7 ou 8 cultures pour rétablir un petit peu la situation sur l'exploitation. En plus, avoir 8 cultures, ça permet d'être sur 8 marchés différents, 8 marchés de vente différents. Pour la production de semences, ces marchés sont connus dès les semis, c'est-à-dire que je connais déjà le prix de vente. Je suis très satisfait de mon système, car d'une année sur l'autre, je réussis à niveler à peu près toutes mes charges. La marge brute, bon, souvent elle suit forcément les prix de vente, mais ayant 8 cultures sur l'exploitation, ça me permet d'avoir une marge brute moyenne tout à fait convenable. Alors le choix de la rotation, on va dire une tête d'assolement et de paille, mais il n'y a pas de rotation type parce que j'adapte en fonction du salissement. S'il faut faire 2 cultures de printemps, je fais 2 cultures de printemps de suite pour essayer d'arriver à bout de certaines graminées. Laurent nous dit qu'avec 8 cultures, son système est plus robuste face aux aléas. Ces aléas peuvent être d'ordre climatique ou culturel et vont affecter le rendement des cultures, économique et vont affecter le prix de vente des cultures. Regardons en effet l'évolution des cours depuis les années 90. Ils fluctuent beaucoup, surtout depuis 2005. Les prix agricoles sont aujourd'hui la principale incertitude du marché. Ces aléas vont donc impacter la marge brute dégagée par le système. Voyons comment la diversification des cultures permet à Laurent de stabiliser sa marge. Prenons un exemple. Voici la marge brute dégagée par chaque culture de Laurent en 2014. La marge brute du tournesol est de 300 euros l'hectare. En 2015, accident cultural sur le tournesol, il ne donne que 8 quintaux l'hectare. Sa marge brute n'est plus que de 110 euros l'hectare. De même pour la lentille et le maïs, leur marge diminue. Mais les autres cultures sont là pour rattraper le coup. La marge brute de l'orge de printemps augmente, celle du pois aussi, celle du blé augmente un petit peu. Ça compense. Et au final, la marge brute globale de 2015, toutes cultures confondues, augmente même de 20% par rapport à la marge brute de 2014, alors que le prix des céréales continue de baisser. C'est le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et si on regarde sur plusieurs années ce que ça donne, on voit que la marge brute globale de Laurent, en rouge sur le graphe, reste relativement stable par rapport à la variabilité annuelle de chacune de ses cultures. La diversification des cultures offre donc à Laurent une certaine stabilité dans le temps, une certaine sérénité économique et morale. Et en plus, il y trouve bien d'autres avantages. La diversification sur l'exploitation me permet de répartir le travail dans l'année. Au lieu d'avoir des pics de travail très ponctuels, je peux les répartir tout au long de l'automne, entre autres pour les semis. De mieux maîtriser les résistances, c'est-à-dire du côté des matières actives et du côté de l'enherbement. D'avoir une plus grande maîtrise donc sur les intrants. Et d'éviter la monotonie, c'est-à-dire que ça me permet de rencontrer des gens, d'avoir de nouvelles connaissances, le fait d'avoir quand même un assolement aussi diversifié. Et petite chose très sympathique aussi, c'est que ça me permet d'avoir des champs très diversifiés et une florescence au printemps très, très répartie dans le temps. Pardon. Alors j'ai rencontré dans mon parcours quelques difficultés certaines années sur des cultures parce qu'à vouloir avoir réduit parfois trop certains des intrants sur des cultures, j'ai eu des petits loupés en dépassés un petit peu par l'enherbement ou un peu en pression de maladie. Mais la diversification que j'ai, enfin l'assolement que j'ai, me permet de rattraper vite l'année d'après la chose sur l'année impliquée par le problème. Ouais, non, bah... Alors, voilà. La chose qui m'a aidé et qui m'aide encore,
c'est surtout le fait de ne pas être isolé, d'avoir des connaissances, enfin, de faire partie d'un groupe. Et dès qu'on a une difficulté, dès qu'on a quelque chose, on se passe un petit coup de fil, on va voir éventuellement dans un champ quelque chose, et autour d'un café, on réfléchit à tout ça ensemble, et on se dit comment pouvoir s'en sortir. Et ça permet d'avoir moins peur et de pouvoir continuer tout au long de l'année ses programmes et son travail, et pouvoir être plus serein. Voilà. Le conseil que je donnerais, c'est quand on décide d'être agriculteur, la chose importante, c'est de pouvoir avoir la souveraineté sur son exploitation. Car quand il y a des décisions à prendre, c'est nous qui devons les prendre, éventuellement échanger avec d'autres, mais les décisions, elles restent de notre ressort. Éventuellement rencontrer d'autres agriculteurs, partager, mais c'est toujours l'agriculteur qui décide, c'est pas quelqu'un d'autre qui décide pour son exploitation.